PR Salah Lialou revient encore une fois sur le sujet délicat de la reprise des vols en Algérie. Je suis contre une réouverture des frontières, a-t-il indiqué. Dans un entretien accordé ce jeudi 01 et octobre au site d'information, la Patrie News, le chef du service de pneumologie de l'établissement hospitalier universitaire d'Oran également président de l'Association oranaise de santé respiratoire, P.R. Salah Lelou s'est exprimé une nouvelle fois sur le sujet de la reprise des vols en Algérie et la réouverture des frontières fermées depuis presque sept, zéro mois, soit la mi-mars. En effet, le professeur a clairement indiqué son opposition à la reprise des vols. Je suis contre une réouverture des frontières, a-t-il confié au site francophone. Il ne faut pas ouvrir la grande porte, a-t-il ajouté en faisant référence aux frontières du pays. Ainsi, et d'après Sadir, L'expert désapprouve profondément l'ouverture des frontières. Une décision qui implique d'une manière automatique la reprise des vols internationaux en Algérie. Pour se justifier et renforcer sa position contre une telle démarche, le professeur a indiqué que l'Algérie continue de décroître la pandémie sur son sol. Cependant, un afflux de voyageurs venant de l'étranger pourrait mettre en l'air tous les efforts déployés pour gagner la bataille contre le dit virus mortel. Une façon pour dire qu'une éventuelle reprise des vols présente un grand risque pour l'Algérie qui maintient ses portes fermées pour protéger ses citoyens. Les loups, il faut attendre que ça tasse en Europe pour reprendre les vols par la suite, les loups n'a pas omis d'avancer quelques exemples de quelques pays qui ont ouvert les frontières. Il a cité, entre autres, la France. Selon lui, des centaines de Français se retrouvent actuellement dans des services de réanimation. La Tunisie quant à elle, représente pour lui un exemple à ne pas passer à la. En effet, il a rappelé que la Tunisie a enregistré une importante décrue au coronavirus. Toutefois, l'ouverture des frontières a mis en péril cette progression. Les indices ne sont pas bons, a-t-il averti. Selon cet expert, des pays européens connaissent actuellement des phases d'aggravation de coronavirus. C'est pour cette raison qu'il faut impérativement apercevoir une accalmie en Europe avant de prendre de telles décisions décisives. Pour ce qui est programme de rapatriement, l'expert appelle à une extrême vigilance quant aux mesures de précaution. Par ailleurs, et même si le bilan de coronavirus en Algérie s'avère loin des alertes, le spécialiste a tenu à insister sur le respect, à la lettre, des mesures préventives. Pour mémoire, le même spécialiste, dans un autre entretien accordé au site d'information Tout sur Algérie, Tsa, a indiqué que la rapidité à agir quant à la fermeture des frontières en mois de mars suite à la découverte des premiers cas, a joué le rôle d'un bouclier contre tous les risques. Pour lui, ouvrir les frontières serait synonyme de présenter tout le pays au risque de la contagion. Au final, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et appuyer sur la cloche pour recevoir toutes les nouvelles.